La plupart des foyers vont devoir lutter contre une invasion de fourmis, à un moment ou à un autre. Que ce soit dans la cuisine, ou dans d'autres pièces de la maison, ces insectes ont une fâcheuse tendance à investir nos lieux de vie. Les fourmis sont très difficiles à éliminer complètement une fois qu'elles ont pénétré dans notre maison. Surtout lorsque nous stockons des aliments qui les attirent inexorablement. Les restes d'aliments, certaines plantes et autres déchets organiques peuvent influencer sur l'apparition d'une colonie de ces fascinants insectes. Cependant, sans même réfléchir à la cause de leur apparition, nous avons tout de suite l'idée de chercher un produit capable de les repousser, car elles peuvent faire des dégâts considérables, tant dans notre intérieur que dans le jardin. De nos jours, il est très simple de se rendre au supermarché pour acheter un pesticide ultra-agressif, et rempli de produits chimiques. Cependant, il faut savoir que ces produits peuvent affecter notre santé, ainsi que l'environnement. C'est pour cette raison que, dans la suite de cet article, nous allons partager avec vous 6 alternatives écologiques qui vont vous permettre de repousser ces insectes en dehors de votre foyer, sans devoir recourir à des substances nocives. 1. Le citron. Peu de gens savent qu'un produit aussi commun que le jus de citron représente une excellente alternative face aux produits chimiques conventionnels. Les composés acides qu'il contient permettent d'éloigner les fourmis qui ont envahi votre jardin ou l'intérieur de votre maison. Ingrédients: un citron et 2 ml d'eau. Une bouteille avec spray. Comment préparer ce répulsif? Pressez le citron pour en extraire le jus, puis mélangez-le avec le 2 ml d'eau. Versez le liquide ainsi obtenu dans une bouteille avec spray, puis vaporisez-le dans les zones de votre maison avec les fourmis. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par jour, si cela est nécessaire. Voir aussi, 8 conseils pour avoir un foyer durable et écologique 2. Le marque de café. Il a été démontré que les résidus de café qui demeurent dans le filtre après que vous ayez préparé cette boisson, conservent bien des propriétés originelles de la plante dont ils sont issus. Il est donc impératif de les réutiliser dans votre foyer comme remède écologique, notamment pour repousser les fourmis et les autres insectes qui peuvent infester votre maison. L'odeur pénétrante du café est la caractéristique qui lui permet d'éloigner pour de bon ces petites bêtes de votre intérieur ou de votre jardin. Ingrédients: 2 cuillères à soupe de marque de café, 20 g, 1 litre d'eau. Comment préparer ce répulsif? Mélangez les 2 cuillerées de marque de café dans 1 litre d'eau, puis pulvérisez le liquide obtenu dans les zones infestées de fourmis. Utilisez ce remède au moins 3 fois par semaine. 3. La menthe. Les feuilles de menthe séchées et l'huile essentielle de menthe sont deux alternatives très intéressantes pour éloigner toutes les petites bêtes indésirables de votre maison. Leur arôme, agréable pour nous, est un véritable répulsif pour les fourmis. Il les empêche véritablement de pénétrer à l'intérieur de votre foyer. Ingrédients: 2 sachets de thé à la menthe, 4 g, de l'huile essentielle de menthe, en option. Comment préparer ce répulsif? Récupérez 2 sachets de thé à la menthe usagés, puis découpez-les pour en extraire les feuilles. Répandez-les dans toutes les zones de votre jardin touchées par une invasion de fourmis, voire dans tous les endroits où elles pourraient pénétrer. Vous pouvez également pulvériser un peu d'huile essentielle de menthe mélangée à de l'eau. 4. Le vinaigre de pomme. L'odeur du vinaigre est très forte, et permet de repousser efficacement les fourmis. En couvrant les points d'entrée de votre jardin, ainsi que les zones déjà touchées par une invasion, vous vous débarrasserez des fourmis en seulement quelques heures. Ingrédients: 1 demi-tasse de vinaigre de pomme, 125 ml, 1 demi-tasse d'eau, 125 ml, une bouteille avec spray. Comment préparer ce répulsif? Diluez le vinaigre de pomme dans le même volume d'eau, puis versez le mélange dans une bouteille avec spray. Pulvérisez le liquide sur vos plans de travail, vos éviers et vos fenêtres, en plus des zones dans lesquelles vous avez constaté une invasion de fourmis. Utilisez ce produit tous les jours pour obtenir de bons résultats. 5. Le bicarbonate de soude et le sucre. Le sucre est une substance qui attire de nombreux types d'insectes.
Cependant, lorsqu'il est mélangé à du bicarbonate de soude, il devient mortel pour ces petites bêtes. Ingrédients: 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 9 g, 1 cuillère à soupe de sucre, 10 g. Comment préparer ce répulsif? Mélangez les deux ingrédients dans un récipient, puis saupoudrez le mélange obtenu dans les zones où se trouvent les fourmis dans votre maison. Utilisez ce produit au moins 3 fois par semaine. Nous vous recommandons également, pourquoi le bicarbonate de soude est-il un ingrédient spectaculaire? 6. La farine de maïs. La farine de maïs peut avoir de nombreux usages dans le foyer. Peu de gens le savent, mais cette farine est un excellent répulsif contre les fourmis. Nul besoin de la mélanger avec d'autres ingrédients. Elle peut être saupoudrée directement sur les zones touchées, autant de fois que nécessaire, pour repousser ces insectes en dehors de notre foyer. Ingrédients: farine de maïs, autant que nécessaire. Comment l'utiliser? Saupoudrez la farine dans toutes les zones touchées par l'invasion de fourmis, comme dans votre jardin ou dans certains endroits de votre cuisine. N'hésitez pas à en mettre sur les points de passage obligatoires, comme les portes par exemple. Toutes ces alternatives écologiques représentent des solutions idéales pour se débarrasser des fourmis sans endommager votre environnement. Cependant, vous devez prendre en compte que, pour obtenir de bons résultats, il vous faudra certainement les appliquer à plusieurs reprises. Remède maison pour éloigner les insectes de chez vous avec certains ingrédients naturels. Il est possible d'élaborer des repoussants maison pour que les insectes n'envahissent pas nos espaces. Lire plus Let's Block ADS. Why?